on se retrouve pour le troisième épisode de Kill the Patrick, saison 2. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. J'ai une pioche et une épée en fer. J'ai aussi un full diams en fer. Je sais plus ce que j'ai dit. Donc j'ai une pioche et une épée en diams et un full stuff en fer. Je suis ultra stressé. Et donc on explore un petit peu la caverne pour l'instant. Hop. Donc c'est assez flippant. Oh, j'ai plus de torches. Est-ce que j'ai du charbon sur moi? Non. Alors, soit on va en trouver, soit il faut que j'en fasse, soit je ne sais pas. Attendez, je... I am happy right now. Ouais, parce qu'il... Ah, oh, I play? Non. Purée. Eh ben... Ça m'impressionne, je pensais pas que ce serait l'un des premiers à partir. Enfin, l'un des premiers. Ça commence à faire pas mal maintenant, mais waouh. Ouais, bah c'est bizarre. ouais, bah écoutez, iPlay qui a l'habitude de jouer hardcore et tout ça. Oui, bon bah c'est assez chelou là pour le coup. Bon, et bah écoutez. Ah, c'est la vie. C'est comme ça. Alors, on a dû faire ici. Je vais me prendre ça pour les torches. Et on va diviser ça pour faire cuire les aliments. Pouh, on a plus d'aliments à faire cuire, c'est pas grave. Du coup, est-ce qu'il fait jour? Oui, il fait jour. C'est bon, on est sorti. Allez, on retourne à notre recherche habituelle de pommes. Puisque c'est ça qui nous sauvera si jamais il y a un problème. On a déjà l'or pour ça. Ce serait bien maintenant qu'on ait la pomme. Donc Zephyr est en extreme heals puisqu'il vient de se taper un silverfish. Ça m'énerve de pas trouver de pomme parce que j'ai l'or pour la faire en plus. Et non. Voilà, ça m'énerve. Oh oui, une pomme. Oui. Yes. Une pomme. Une pomme. Une pomme. Une pomme. Une pomme. Oui. Elle a envie de nous faire ça. Ah. Enfin, je sais même pas pourquoi je me précipite, mais... Mais on a enfin une pomme. Oui.
Yes! Enfin, une pomme d'or. Ah. On va la garder ici bien précieusement. Ah. Ça, c'est fait. En cas de problème, on peut avoir une petite pomme de secours. Donc ça, c'est très très bien. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, je vais ressortir un petit coup. On a enfin eu cette pomme, on est enfin plus ou moins en sécurité. Puisque si jamais on a un minimum, enfin au maximum de 2 coeurs de dégâts, on pourra toujours prendre une pomme. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait déjà 1 heure qu'on joue pour nous. Fuka est mort par un creeper, bravo. Qui d'autre est sur le point de mourir? Maruko toujours. Et sinon ça va, Ion est à 11 mais... Mais sinon ça va, Souls est à 12, Zaiden à 11. Nox à 17. Ah. Donc du coup je suis... Ah, il y a quelqu'un qui vient de manger une pomme je crois. Ou alors j'ai rêvé, je ne sais pas. Cochon, j'en ai plus trop besoin. Ok, donc on est vraiment enfoui dans une jungle quoi. Je pense qu'on va bouger. On fera peut-être ça pour l'épisode 4. Dans l'épisode 4, je pense qu'on bougera. Parce que on commence à avoir exploré la crevasse. Enfin, exploré. On a vu un petit peu tout ce qu'il y avait dans la crevasse. Et puis la jungle, je n'aime pas ça du tout. On peut pas du tout voir les ennemis. Donc, de toute façon, on est en hardcore. Donc, si on meurt, il n'y a pas question de chest ou pas. Donc on bougera dans l'épisode 4. Voilà. Excusez-moi. Yeah. Quelle heure est-il? D'accord. Non, excusez-moi, mon portable m'a demandé le code PIN de ma carte SIM pour je ne sais quelle raison. C'est absolument pas grave. Hop. Bah, du coup, on n'a rien à faire. Hop. On va descendre encore un petit peu dans la crevasse, voir ce qu'on peut faire. Y a M5 qui me spamme. Viole-les tous, écrasez-les avec du gravier. Bordel, je me fais spam. C'est assez violent. Excusez-moi pour cette petite intermède intermédale. Ça va rien dire. Hop. Ok, on va pouvoir reprendre. Donc j'ai fait une petite ellipse. Hop. Puisqu'il y avait un problème avec mon portable, mais tout va bien. Alors, y a un creeper là-haut. Ah oui, j'ai plus de... Le con. Il m'a fait peur.
Il est con. Hop. On va donc se faire des torches. Tac. Voilà. On va éclairer encore un petit peu. Bordel. Voilà. Un petit point sur les scores. Zayden. Oula, Zayden est à 5. Moustache est à 4. Ils sont très proches de la mort. Tech est toujours à 20. As2. Ah, As2 est descendu à 17. Donc nous ne sommes plus que 2 à être à 20. C'est assez impressionnant. Bah écoutez, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Toujours pas rencontré de gens. Donc c'est très bien aussi. C'est ce que je vais éviter. Puisque le PVP, moi, c'est. C'est non. Même si je m'améliore. Et encore. Oh le con! Oh! Oh le con! Non! Heureusement que j'ai entendu le bruit parce que. Nya! Oh! Moustache est mort! Moustache est mort! Ah, mon compagnon! Bravo à lui quand même, il aura tenu bah, 3 épisodes! Bravo, bravo! Pauvre moustache! Il aura bien tenu quand même, hein. Lui qui m'avait dit qu'il tiendrait pas vraiment! 3 épisodes, c'est quand même pas mal, hein. C'est remarquable. Donc sur l'échelle du stress, je suis à peu près au milieu. Hop, hop, hop. On va essayer de monter tranquillement pépère. Rien derrière nous. Rien ici. Désolé pour les blancs, mais je suis extrêmement concentré et je suis très stressé en même temps. Donc j'avoue que c'est assez dur. Assez dur de commenter, bien sûr. Là, je récupère du fer même si j'en ai plus besoin. Parce qu'on ne sait jamais. On regarde vers le haut. On ne connaît plus la suite. Ok, là-bas il y a du monde. Ok, ouais, là-bas il y a vraiment du monde. On va sûrement pas y aller. C'est ça, saute. Là en sécurité. Ok, bon, bac à la base et je pense que je ne reviendrai pas ici. Je pense que j'ai assez exploré. Ouh. Voilà, donc on a fini avec cette crevasse. Il nous reste un petit quart d'heure. Sauf que ça doit être la nuit, malheureusement.
Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Aller dehors, c'est hors de question. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Mis à part discuter, vous et moi. Ah non, ça, vous n'êtes pas là. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Oups. Je vais déjà faire cuire ce que j'ai. Hop. Que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? Je ne sais pas du tout quoi faire, du coup je ne parle pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est con. Bon, pour faire genre... Oh. Nox qui dit qu'il a eu du gravier sur lui et du sable. Et je lui dis qu'il est meilleur que moi. Ah. Oh putain. On a vu Ion remonter. Oh putain! Oh putain, Souls qui a 3 cœurs! Que se passe-t-il? Vous remarquerez que tous ceux qui sont à l'étranger ont un ping. Enfin, on n'ont qu'une seule barre. Azdepi qui est en Suisse a qu'une seule barre. Ion qui est en Allemagne, je crois, a une seule barre. Zephyr qui est au Canada a une seule barre. Ah non, Souls il est pas à l'étranger. Bon, bah d'accord, voilà, salut. Ouais, mais lui il a une connexion de merde, c'est différent. Bon, enfin bref, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet du débat. Ouais, c'est vraiment trop risqué d'aller là-bas, décidément trop risqué. Nous n'irons donc pas. On s'ennuie un petit peu sur la fin de cet épisode. Je ne sais pas comment combler ces 11 minutes restantes. Parce que il est hors de question que j'aille dans la grotte qui est là-bas. Il y a vraiment trop de monde et je veux prendre aucun risque. Est-ce que ce serait pas le jour qui se lèverait là? Non, ça doit être le. Ça doit être le jour. Viens, petite araignée. Est-ce qu'elle a drop quelque chose? Putain, elle a rien droppé. Ah si, du fil.
Ah, mais le jour se lève? D'accord. Bon, bah écoutez. Le jour se lève. Impressionnant. Je croyais qu'il était en train de se coucher. Du coup, on va prendre toutes nos affaires et se barrer. Tant mieux. On va peut-être mourir au passage, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Non, ouais, dans les fours, hop. Il reste rien. Non, il reste rien. Allez, hop, on remonte. Et on se casse. Ah merde, il pleut! Non, 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 c'est pas possible ça. Merde. Oh là là. Le chiotte. Oh, on peut s'in... What? Ok, donc il y a quelqu'un là. Ou alors il y avait quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est mort. On va monter pour voir. Qui se cachait ici? Wow. Ok, bon ben je ne comprends, enfin je ne sais pas qui est là, mais ce n'est pas grave. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Ok, bon, on va se réenterrer. Hop. Ok, donc c'était une très mauvaise idée. C'est donc Tae qui est le dernier. Oh what? C'est donc Tae qui est le dernier à être full life. Donc je pourrais manger ma pomme d'or, mais ce n'est pas utile pour l'instant. Je préfère la garder quand j'aurai vraiment plus rien. Je vais baisser le son. Voilà, c'est mieux. Bon. Je crois que j'ai bien fait de m'enterrer. En tout cas, il m'a fait très mal, hein, ce squelette. En même temps, on est en hard, c'est normal. Donc, on va se remettre à miner pour trouver une grotte. Alors, petit point sur la vie des...
Des joueurs. Alors, oula, Marocco vient de passer à 4 points de vie. Je suis à 17. As de... Oula, Marocco. Marocco va mourir. Attention. À moins qu'il ait une pomme d'or. Mais je pense que c'est la fin pour lui. Souls, oula, Souls est près de la mort aussi. On a quelle couche là? On est à la couche 30. On devrait pouvoir commencer à trouver de l'or, si jamais. Oh, Zayden est mort. GG Zayden. Le prochain doit être Maruku, du coup. On arrive bientôt à la fin de l'épisode 3. Ok, il y a un lag. Voilà. Il est trop con. Qui pond un Camoulox. Alors on n'a pas trouvé de cave. Donc je vais remonter. Puisque j'ai pas envie de miner tout droit. Et qu'on n'a pas vraiment le droit. De toute façon c'est le moment un petit peu tourni. Les coordonnées nées. Qui est toujours à 20 à 20 points de vie. J'aimerais bien manger ma pomme et dire oh, nope. Bon, et apparemment il pleut toujours. Oui, il pleut toujours, je confirme. Et voilà, Maroku. Ça va bientôt être la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé en tout cas. Il va falloir que je fasse une outro qui dure 1 minute 15. C'est un petit peu long. Voilà. Du coup, quelle heure est-il réellement? 10h30. Ça fait donc 2h30? Non. Attendez, ça fait 30 plus 30 plus 30, donc ça fait 1h30. 1h30 qu'on a commencé. Ouais. Ça commence à faire un petit bout de temps. Cette pluie, du coup, m'a retardé dans mon déplacement. On le fera donc pour le prochain épisode. Donc voilà, je vais pouvoir commencer ma. Mon outro, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit like. Oula, As de pique qui va mourir, qui prend une pomme d'or. Merci à tous. Comme je viens de le dire, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. N'hésitez pas à aller voir le point de vue des autres. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 4 de Kill the Patrick. Salut!